Voilà, on se retrouve avec Rudy pour Feel Good Ikigai, donc le dernier workshop de cet après-midi. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires. Voilà, vos rendez-vous, Rudy, sont complets déjà. Vous avez plus de place. Ils sont complets. Hein, et malheureusement, n'hésitez pas à envoyer un petit email pour d'autres informations, mais les rendez-vous sont complets. Voilà. Eh ben, très bien, ben, on vous enverra un email pour toutes celles qui ont envie de vous rencontrer en tête-à-tête, devrais-je dire. En tout cas, donc l'ikigai, un vrai sens à sa vie. On vous écoute, c'est à vous. Alors, écoutez, merci beaucoup pour ce temps de parole. Bienvenue à toutes et à tous. Je me sens un petit peu en minorité ici. On a un temps assez court, donc c'est vrai que je vais simplement dérouler un petit peu sur d'où vient l'ikigai, qu'est-ce que l'ikigai, et puis ce que ça peut vous apporter. Hein. Alors, l'ikigai, ça nous vient du Japon. De l'île d'Okinawa. L'île d'Okinawa qui a la particularité d'être une zone qu'on appelle, qui fait partie des Blue Zones. Les Blue Zones, ce sont des pays où il y a une très forte concentration de centenaires qui vivent bien et qui vivent longtemps. Enfin, bah, centenaires forcément, voilà. Et en bonne santé. Il y a d'autres pays tels que au Costa Rica, Nicoya, il y a également la Sardaigne, il y a également une île en Grèce, l'Icaria, et puis une petite congrégation Loma Linda aux États-Unis, qui en fait, qui c'est un petit peu bizarre parce que c'est en Californie, mais en fait c'est plus une congrégation de personnes qui sont adventistes du septième jour et en fait qui ont aussi un mode de vie un petit peu particulier. Lorsqu'on prend les points communs de ces cinq pays, on se rend compte en fait que on a trouvé neuf points communs, neuf points qui se répètent et qui nous fait penser que ces points-là font que la plupart des gens sont centenaires. Le premier des points, c'est le fait que ce sont des gens qui sont en mouvement. Alors, ce sont des gens qui sont lorsqu'ils vont marcher, ben, ils y vont à pied. Lorsqu'ils vont voir leur voisin, parce que leur voisin n'est pas juste à côté, ben, ils y vont également à pied. Lorsqu'ils vont au travail, ils vont également à pied. Donc, ils sont toujours en mouvement. Ça, c'est un premier point qui se retrouve dans tous ces pays. Le deuxième point, qui est aussi important pour eux dans ces pays-là, c'est l'hygiène alimentaire. C'est des gens qui mangent beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Un petit peu de viande, et en plus c'est de la bonne viande, hein, c'est pas de la viande avec plein d'hormones, quoi que ce soit, c'est en circuit court, hein, ça reste des îles. Donc c'est vrai que c'est du bon gras, on va dire, et également beaucoup de légumes. Donc une bonne hygiène alimentaire, c'est vrai que nous, Européens, on est souvent dans l'abondance, dans la surconsommation, des buffets, voilà, on mange, et après on digère mal, on dort mal. Et ben, eux, c'est vrai qu'ils mangent bien. Et ce qui m'amène justement au point suivant, qui est le fait qu'ils appliquent une idéologie de l'ordre des 80%. Lorsqu'ils mangent, ils mangent à 80%. Ils ne mangent pas à 100%, à 110% comme nous. Hein. On veut manger, on veut du dessert, on en reprend et puis une fois qu'on a fini, ben on a plus faim, on a trop mangé. Eux, ils restent à 80% pour garder justement une réserve, justement d'être dans l'instant, dans le plaisir. Et cette philosophie-là, ils le gardent aussi par rapport à leur activité. Le cerveau a besoin de se déconnecter dans la journée, pas que la nuit. Et ils prennent du temps pour eux, voilà, dans ce 80%. Et ils gardent 20% pour prendre soin d'eux. Donc, ça peut être de la marche, ça peut être de la prière. Justement, à Loma Linda, c'est de la prière. Ils prient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font de la sieste aussi. Voilà. Il y a la méditation. Donc, c'est une manière de se reconnecter à eux-mêmes et c'est un point très, très déterminant dans ces pays-là. Et enfin, l'autre point qui, pour moi, il y en a neuf, hein, mais je ne vais pas faire les neuf parce qu'on a très peu de temps et puis on va laisser la place aussi à beaucoup de questions.
L'un des autres points principaux, c'est le fait que c'est des gens qui ont beaucoup de liens sociaux avec leurs collègues, avec leur village, voilà, mais également familiaux. Voilà, ils s'occupent encore de leurs anciens, ils habitent souvent avec les anciens, ou les anciens habitent juste à côté, donc ils les voient très régulièrement. Donc ils ont un lien très très fort. Il y a plusieurs études occidentales qui ont justement, suite à ces blue zones, ces études de blue zones, qui ont montré que, par exemple, avoir un lien fort avec son entourage augmente l'espérance de vie de l'ordre de 7 ans. Donc là, on a pu mesurer vraiment des gens qui vivaient seuls, avec des gens qui étaient entourés dans des mêmes contextes et tout. Donc vraiment, c'est des études bien carrées, vraiment très cartésiennes, où on a vu une différence de l'ordre de 7 à 8 ans avec des gens qui avaient des liens forts. Donc, pour ce qui ressort vraiment de ces blue zones, c'est vraiment avoir du lien, être en mouvement, garder du temps pour soi. Et aujourd'hui, on se rend compte un petit peu, justement, l'OMS nous dit de marcher, de faire des 15 000 pas dans une journée. Eux, ils sont déjà en mouvement. L'OMS nous dit de manger 5 fruits et légumes. Eux, ils mangent déjà des légumes. Voilà. Et avoir du lien, en fait, on a un cerveau social depuis tout le temps, depuis la préhistoire. On est toujours dans une tribu et on comprend bien que le lien, les relations sont importantes. Tout ça fait partie vraiment d'un courant qui s'est généralisé dans les pays occidentaux avec la pensée positive, la psychologie positive, et qui ressort en fait, qui est exactement en fait l'ikigai, qui est de se mettre en mouvement pour être dans un équilibre des choses. Alors, ce que je vais demander, c'est peut-être éventuellement d'avoir le diagramme, le petit qui serait présent éventuellement. Ouais, tout à fait. Alors, je le vois pas. Mode d'ensemble. Il est. Allô, allô? D'accord. Alors, je me remets en mode gris. Voilà, mode gris. Je touche à rien. Est-ce qu'on voit les quatre cercles? Oui. Alors, très bien. Donc, l'un des premiers cercles qu'on va regarder dans l'Ikigai, c'est de. Vous m'entendez bien? Parfait. OK. Donc, l'un des premiers cercles, ça va être le cercle qui est jaune, ce pour quoi vous êtes doué. Donc, en fait, on va réussir à. On va aller chercher un petit peu de l'introspection pour voir un petit peu les qualités naturelles. On va demander à 360, on va demander également à son entourage, à sa famille. Oui. Non. Qu'est-ce que je. Fenêtre. Non, j'en ai pas d'autres. Je suis en vue gris et c'est la seule chose que j'ai fait. D'accord. Fenêtre. J'ai juste. Hop là. Vous m'entendez mieux maintenant? Ah, je ne touche plus à rien. Hop, c'est pas moi. désolé. Alors, je disais à l'instant, donc. L'un des premiers pas, c'est de travailler le cercle ce pour quoi on est doué. Donc, de trouver ses qualités intrinsèques avec une introspection et puis également un 360 pour demander à son entourage pour vraiment comprendre vraiment des choses que l'on fait naturellement, mais en fait qui sont aussi des qualités, mais ce n'est pas parce qu'on les fait naturellement que tout le monde sait les faire. Donc, voilà, c'est la première chose, la première base, c'est de pouvoir comprendre ses capacités et ses qualités. L'un des deuxièmes cercles, c'est studio, ce pourquoi on est, ce qu'on aime faire. Alors, ce qu'on aime faire, c'est très simple. On appelle ça la notion de flow. La notion de flow, c'est de qu'est-ce que je fais où je perds la notion du temps. J'ai la notion du temps. Oui. Ah.
Ok, un tour pour moi. Allez. Voilà. Donc du coup, c'est pas moi. Je vais pas vous commenter le dessin de Rudy. Voilà, il se déconnecte de son Skype et il revient vers nous dans une petite minute. On se reconnecte rapidement. Je vous laisse le schéma de l'Ikigai. Feel good, en tout cas. Voilà. Cette fois, vous m'entendez bien? Oui. Donc, je disais, je reprends juste le premier cercle pour quoi on est doué. Voilà, les capacités intrinsèques, les qualités profondes. Et puis, je parlais du deuxième cercle qui était ce que j'aime faire. Donc, ce que j'aime faire, c'est vrai, on appelle ça, appel à la notion de flow, qui est le qu'est-ce que je fais où je perds la notion du temps. Voilà. Quand je me rends compte un petit peu, à un moment donné, je regarde ma montre et je me dis, ah, mais ça fait déjà 2 heures que je suis là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'aime faire intrinsèquement qui me remplit de bonheur? Voilà. Est-ce que j'aime lire? Est-ce que j'aime faire du sport? Est-ce que j'aime cuisiner? Enfin, cette notion-là de perdre du temps, la notion du temps, c'est vraiment la notion intrinsèque, c'est vraiment le qu'est-ce que j'aime faire? Voilà. Ensuite, on va arriver sur le troisième cercle, qui est ce qui nous importe pour le monde, ce dont le monde a besoin. Donc là, c'est vrai qu'au-delà des petites phrases Miss France, hein, moi j'appelle ça comme ça, je veux la paix dans le monde, je veux sauvegarder les baleines, même si je suis d'accord, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait la paix dans le monde entier. On va plus regarder un petit peu plus local, dans mon environnement, dans ma ville, dans ma région ou même dans la France, qu'est-ce que de mon point de vue, il serait intéressant d'améliorer. Voilà, vraiment, qu'est-ce que les gens ont besoin? Les gens ont besoin de plus se voir, plus se parler, plus se rencontrer, se faire plus confiance. Enfin, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Une autre façon d'aborder ce cercle-là aussi, c'est peut-être aussi des fois de regarder les choses qui nous heurtent, voilà, et qu'on souhaiterait qu'ils changent. Voilà. J'aime pas voir des masques par terre. Voilà. J'aimerais que ça change et que les gens soient plus écologiques. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc vraiment ce dont le monde a besoin, ce par rapport à ma vision des choses. Et puis enfin, on arrive au dernier cercle, ce pourquoi je peux être payé. Moi, ce que je préfère dire, c'est ce pourquoi je peux être rétribué. Parce que payer, c'est pécunier, mais rétribuer, ça peut être, on peut être bénévole et puis recevoir plein de cette notion de récompense par la gratitude, hein, qui est une notion très forte de l'ikigai. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui est possible aussi. On peut penser aussi à des femmes de foyer, voilà, elles sont pas payées, mais en fait, elles contribuent fortement et elles sont rétribuées par rapport à leur entourage, leur mari ou leurs enfants qui les remercient. Voilà. Donc, il y a vraiment cette deuxième notion. Lorsqu'on prend ces quatre cercles et qu'on les rassemble entre eux, on arrive justement à ce qu'on appelle cette zone, hein, qui est au milieu, qui est l'ikigai, qui est une zone, ce n'est pas un point. C'est pas, moi, ce que je suis là, ce n'est pas pour vous dire « je vais vous trouver le job de votre vie ». Moi, ce n'est pas mon discours. C'est je vais vous donner du sens à votre vie, plus de sens. Voilà. Et lorsqu'on est dans cette zone-là, justement, lorsqu'on va prendre ses qualités, ce qu'on aime faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé, on va se sentir utile, en fait. Voilà. Et on vient vraiment à l'essence même de l'ikigai, puisque l'ikigai, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en préambule, mais étymologiquement, ça veut dire iki, être en vie, et gai, qui vaut la peine d'être vécu. Donc, on est vraiment en plein ikigai. Faire des choses qui contribuent au monde, où je me sens bien, à l'intérieur, et qui va se voir à l'extérieur. Et à ce moment-là, on est aligné, et on va être vraiment en phase avec soi-même, et en plus avec le monde, et avec les autres. Et là, on est vraiment sur quelque chose où on n'est pas le matin à se lever, se dire, tiens, il faut que j'aille pointer, il faut que j'aille travailler et tout. On est sur quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va être moteur, qui va nous mettre en mouvement. Et c'est là, vraiment, l'ikigai. J'aime dire que c'est un peu plus qu'un bilan de compétences ou qui sont très bien, hein, voilà, je ne juge pas, mais là on prend vraiment la globalité, on ne reste pas juste en surface, on va vraiment chercher les aspirations profondes
pour pouvoir vraiment garder cette zone de confort où on va se sentir bien et utile. Voilà. Voilà un petit peu qu'est-ce que l'ikigai, d'où ça vient, pourquoi, comment, la psychologie positive. Désolé pour ces petites coupures et tout. Je voulais garder un petit peu de temps pour les questions parce que souvent il y en a. Donc j'ai fait d'une manière assez rapide, mais en tout cas je suis entièrement disponible pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'ikigai, qui est une manière de vivre. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Je m'entends toujours en écho chez vous. Non, vous regardez le YouTube en début d'après-midi ou pas du tout? J'ai un double Skype, je n'ose pas fermer, j'en ai qu'un. Je ne sais pas, je m'en excuse. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on n'a pas de questions. Je parle en entendant l'écho, c'est pas facile. Vous l'entendez ou pas? Alors, j'ai enlevé le micro pour éviter l'écho quand vous parlez, mais je vous entends bien. Très bien. Bon, ce que je disais, c'est qu'il y a eu beaucoup de réactions positives, mais pas de questions en tout cas sur l'IKIA. Je pense que votre présentation était super claire. Elle donnait assez envie et c'est toujours très intéressant de connaître un peu l'historique de cette, je sais pas comment on appelle ça finalement, manière de penser ou attitude positive en tout cas pour soi et pour les autres. Donc pas de questions en particulier. Je rappelle juste que du coup au niveau des rendez-vous vous êtes complet sur la page du salon professionnel, mais que voilà, on n'hésite pas à vous envoyer un mail. Peut-être que vous pouvez nous rappeler votre adresse mail. Bien sûr, alors c'est rpompuis, 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 @gmail.com. Voilà, rpompuis@gmail.com. Très bien. Donc voilà, on a des petits pouces qui disent que du coup, on a bien aimé votre intervention, mais il n'y a pas de questions en particulier. En tout cas, voilà. Je reste disponible avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis vraiment désolé pour ce Skype en écho. Malheureusement. Tout va bien, vous inquiétez pas. Je suis disponible en tout cas par la suite. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, Rudy, du coup? Est-ce que... Écoute, alors, si on a quelques minutes, oui, je peux rajouter par rapport au coaching que je propose. Alors, c'est vrai que je suis coach Ikigai, mais également je fais de la PNL par ailleurs, donc qui permet justement de mettre un peu de PNL dans l'Ikigai. La PNL, la programmation neurolinguistique, ça permet vraiment de pouvoir trouver en profondeur vraiment dans le questionnement, mais également dans la congruence des personnes, dans le coaching. Donc voilà, je ne le mets pas en avant parce que c'est vraiment l'Ikigai, la façon de faire. Mais dans ma manière de coacher, j'amène beaucoup de programmation de PNL, donc, qui est une manière de mieux communiquer, de mieux comprendre et d'être encore centré sur soi. Donc, ça amène un petit plus par rapport à l'Ikigai. Et puis également, c'est dans le coaching que je peux proposer, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait en 6 étapes. Voilà. Donc, il y a 4 cercles. Il y a une première étape d'introduction. Les 4 cercles, on va venir vraiment chercher en profondeur, comme je disais. Et puis la 6e séance pour vraiment rassembler et trouver justement cette zone. Une fois de plus, ce n'est pas un point, ce n'est pas un métier, c'est vraiment plusieurs choses qu'on est capable de faire qui peuvent donner du sens en soi. Voilà. Parfait, je vous remercie. Alors, il y a Julie qui pose une question. C'est quoi les 4 zones de superposition des cercles? Alors, les 4 zones de superposition des cercles, c'est une très bonne question. Donc, vous avez la profession, vous avez la mission, vous avez également la vocation. Donc, en fait, c'est vrai que si on prend l'exemple de ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis doué, j'aime bien prendre l'exemple d'un guitariste qui aime bien faire de la guitare, mais qui n'en vit pas. Donc, il est doué à la guitare, il aime en faire. Donc, il va aller dans la rue faire de la guitare. Donc, on va dire que c'est une passion. Voilà. J'aime bien prendre aussi un autre exemple par rapport à une infirmière qui va... On a besoin d'infirmières, donc elle contribue à ce dont le monde a besoin, typiquement, et puis aussi elle aime ce qu'elle aime faire, donc elle est dans sa vocation, voilà, même si elle est également payée. Donc voilà un petit peu le rassemblement de ces zones qui se chevauchent. La vocation, la mission, c'est vrai que
Il y a des gens qui accompagnent, par exemple, les personnes handicapées. Voilà, c'est vrai que c'est des gens qui se donnent pour mission d'aider les personnes qui en ont besoin. Donc voilà, ce petit recoupement des cercles, ça nous donne des grands axes. Mais en tout cas, on prend la globalité et on vient affiner au fur et à mesure dans le coaching Ikigai. Parfait, je pense que ça a été super clair. J'espère que Julie Rudy a répondu à votre question. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, et donc je rappelle qu'on peut retrouver encore par mail, reprendre des rendez-vous, en tout cas, Coucou@gmail.com. voilà, ou reprendre contact effectivement pour la suite, ce qui est le but de votre participation aussi au salon professionnel. Exactement. Merci pour l'accueil, merci pour vraiment voilà pour c'est la première édition et je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui ont contribué à ce salon qui pour moi donne du sens et on voit beaucoup de gens qui se cherchent et c'est super qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent se rassembler au même moment pour trouver une solution. Voilà. Ben, je vous remercie en tout cas, nous c'est un plaisir aussi de vous accueillir et on se retrouve du coup, Julie qui vous remercie. Voilà, ben, nous on se retrouve demain parce que effectivement vous étiez le dernier workshop de l'après-midi. Donc on se retrouve demain matin à 9h pour les workshops suivants. Merci beaucoup Rudy, je vous souhaite Merci, au à revoir, à bientôt. Au bientôt. revoir.